maintenant, on va passer au 4DX. Nous avons plusieurs sites qui sont en proie aux flammes d'une manière très violente, avec des fronts de feu sur l'Andiras, par exemple, qui atteint près de 66 km. Le soutien auprès des communes, puisque les feux touchent des petites communes rurales pour une grande partie d'entre elles. Actuellement, il y a environ de 2000. Allez, ma chérie, fidèle-moi. On est encore en train d'évacuer une commune. Ce problème, c'est la commune d'Ostens. Un de VLHR pour contrôle radio. Reçu fort et clair pour CCF, plein derrière. Reçu fort et clair également pour VLHR. Sont extrêmement mobilisés, extrêmement soutenus et accueillis par la population, je tiens à le souligner parce que c'est important, cette solidarité qui se crée autour des pompiers, mais soutenue aussi par des moyens nationaux, hein, des lignes nationales viennent de tous les départements, il y a d'abord une zonale de notre région Nouvelle-Aquitaine, et puis aussi des forces en soutien de l'ensemble de la France, et on attend aussi des pays étrangers qui devraient nous rejoindre très rapidement pour prêter main forte à nos pompiers. Donc une belle solidarité régionale, nationale et européenne, voire du monde entier, puisque la Suisse vient également et n'est pas dans l'Europe. Pierre-Man est arrêté et ça peut aller jusqu'à 150 000 euros d'amende, 15 ans de prison et cette plaque sera aggravée. Feu éteint, fermé, démonté, roulé. Bien reçu pour CCF, un dernier. Bien reçu également. Ça y est, on rentre à la maison, ma chérie, c'est fini. Ça y est.
Adèle, tu fais quoi? Adèle, tu vas où?